dark side. I wanna be your left hand man. Regardez Popoune avec ses nouveaux vêtements. Je vais vous filmer la vidéo à chat demain. Sérieux, je capote. C'est tellement cute. Ouais. Ce matin, ok. Genre, ça a été un des pires matins. Genre, ça. Oh my god. Faut que je vous raconte ça. Ce matin, notre cadran était comme à 6h30. Et à genre 4h quelque chose, l'alarme de feu se met à sonner. Ok? Mais genre, elle a jamais. Ça a jamais fait ça de même. À un moment donné, quand on a acheté la maison, elle venait d'être bâtie. Puis dans le fond, les piles étaient comme vraiment fines dans la machine. Fait que ça faisait comme un petit bruit pour nous avertir que. Ah, oh, c'est Anthony qui est en train de m'écrire. Ouais, désolée. Anthony qui venait m'écrire, il est à l'école. Fait que là, ça faisait un petit bruit pour nous entendre, pour nous faire savoir que genre la batterie était faible. Puis là, ce matin, ça part là, mais comme celui en haut, en tout cas, celui où il y a les chambres. Là. Fait que Amanda se réveille, les gars ne sont pas réveillés. On se lève genre en panique. Il n'y avait rien. Rien pantoute. Anthony a été voir en bas partout, il a été voir dehors, voir si, mettons, c'était le voisin ou quelque chose, tu sais. Mais non, rien pantoute. Fait que. On se recouche. Puis, genre, sur le coup, là, j'étais vraiment comme en panique, là. Je me sentais comme dans This Is Us, genre. J'étais comme. Qu'est-ce qui se passe? Là, on se couche. 40 minutes après, ça se remet à partir! Genre, ça réveille là, vraiment comme mal là! Fait qu'Amanda se réveille encore, les gars sont pas réveillés, et il y avait rien. Mais là, on a vu que ça commençait à flasher rouge, donc je pense que ça doit être parce que la batterie doit commencer à être faible, fait que je sais pas, peut-être ça fait ça comme pour nous avertir comme... La batterie est faible, mais elle flashait pas rouge comme avant. Fait que ce que je trouvais bizarre parce que celui de mon sous-sol, c'est lui que les batteries étaient comme faibles quand on avait acheté la maison. Fait que ça faisait un petit genre bip bip comme pour nous avertir, mais ça partait pas là. Fait que en tout cas, c'est ça. C'est vraiment pas un bon réveil. Et réveillons les garçons après. Oh, j'ai plus de place. On réveille les gars! Après qu'il se réveille et tout, Jaden écrit sur son tapis de jeu. Jaden ne veut pas rien savoir de se lever. Il faut vraiment qu'il parte parce que Anthony avait un examen ce matin, fait qu'il faut vraiment qu'il parte comme à telle heure pile de la maison. Attendez. Ouais, faut qu'il parte. Attendez, je vais la prendre. Voilà. C'est cute avec sa petite couette. Ouais, mais en fait, j'ai pas mis d'élastique rien là. Je mets. Ah, oh, j'ai comme un cheveu dans l'œil. Je mets. Mon dieu. Voilà, c'est mieux. Fait que, regardez, j'ai fait une petite couette. J'y mets pas d'élastique, j'ai vraiment juste mis la barrette. Je me dis, ça doit comme moins tirer les cheveux. Ça doit être moins inconfortable. Fait que, c'est ça. Donc, Jaden veut rien savoir de se lever. Mais il faut vraiment qu'il parte parce que, ben, tu sais, il y a le temps de déjeuner. Puis écoute, genre un petit Peppa Pig en même temps, surtout ma vraie croquette. Jaden est vraiment paresseux. Il voulait vraiment rien savoir. Puis en plus, faut qu'il aille faire pipi avant de partir. T'sais, pas qu'il fasse pipi dans l'auto. Je sais pas s'il va se retenir. L'autre fois, il s'est retenu. Mais comme le matin, il boit vraiment beaucoup d'eau pendant la nuit. Fait que le matin, là, il a vraiment un gros envie de pipi énorme. Fait que c'est pour ça que ça fait longtemps que c'est le même. T'sais, il était propre de nuit, mais comme quand il se réveille, c'est un pipi énorme qu'il faisait, puis qu'il fait. Donc, il finit par se lever. Il voulait rien savoir d'aller aux toilettes, fait que je le prends. Je le mets sur le bol. Non, je baisse son pantalon de pyjama, je le mets sur le bol. Et à peine assis sur le bol, il fait pipi. Et je reçois le pipi sur moi, sur mon pyjama. Genre, je savais qu'il avait envie.
Et c'est ça, en le déposant, genre ça a volé partout, mais comme c'est moi qui étais devant lui, alors j'ai reçu le pipi, genre. J'étais comme, quel matin, je me fais pisser dessus. J'étais en colère, là, quand il voulait que je l'habille, il disait qu'il avait froid parce qu'il voulait être juste comme dans la doudou. Mais j'étais comme, faut y aller, mon beau, faut s'habiller. Fait qu'il donnait des coups de pied que il a tout détaché ma robe, ma jaquette rose maternité. J'étais rendue tout nue. Genre, j'étais tout nue avec de la pisse. Je m'étais fait réveiller avec l'alarme de feu. Mais là, ça va bien. Mais ce matin, j'en trouvais vraiment pas drôle. Fait que c'est ça. Voilà. Maintenant, il est présentement 9h10. Dans le fond, ils sont partis peut-être à 7h à la garderie. Ils sont partis comme 10 minutes plus tard. Fait qu'ils sont partis à 7h. Après 10 minutes en retard. Ben, 5-10 minutes en retard. Puis, Amanda, elle faisait dodo. Moi, tu sais, elle s'était réveillée quand l'alarme de feu avait sonné. Là. Fait qu'elle faisait dodo. Fait que j'ai dormi de 7 à 8 avec elle. À 8, elle s'est réveillée. Fait que c'est ça, là, j'ai décidé. J'avais pas lavé encore les nouveaux vêtements parce que je veux filmer ma vidéo demain. Mais je voulais vraiment y essayer parce que j'ai pris tout du 9-12 mois. Puis je voulais quand même que ça y fasse maintenant. Puis ça y fait. Mais dans le fond, j'ai comme replié un petit peu le rebord. Mais là, tu vois, je l'ai dans les bras. Puis je pense que j'aurais même pas eu besoin de plier le rebord parce que ça remonte, genre. Ouais, mais ils sont bien cute les vêtements. Puis je voulais surtout y essayer les chandails parce que j'ai pris comme 4 fois le même chandail. En différents motifs et couleurs, genre ça n'a pas l'air du même chandail. Ils sont faits hyper larges, mais en fin de compte, sur elle, ça fait super bien, je trouve. Es-tu belle? Une petite fille d'amour. Regarde sur la caméra. Oui, c'est toi. Ouais. Fait que c'est ça. Là, oh, j'ai envie de la couper. Je vais me faire mon café, me faire à déjeuner. Là, Anthony, c'est ça, il y a un examen. Il devrait finir maximum à 1 h. Puis il aimerait ça peut-être qu'on aille manger des sushis. Fait que je vais me faire un gros déjeuner. Parce que. C'est ça. Si on dîne tard, je veux pas avoir faim trop tôt. Fait qu'il fait vraiment froid aujourd'hui. Puis je pense que les gars sont partis sans leur tuque d'automne. Mais tu sais, ça se réchauffe tout le temps après, mais c'est parce qu'ils vont dehors le matin. Fait que là, je me sens vraiment mal. Mais bon, je peux pas rien y faire. C'est tellement changeant la température. Genre, hier, on pouvait être en t-shirt. C'est comme. C'est n'importe quoi. 45! Je me rappelle plus l'heure qu'on s'est parlé tantôt, mais je peux enfin goûter à mon café. Amanda, dès que je l'ai posé, elle commençait vraiment à chialer beaucoup. Elle avait l'air fatiguée, là. Fait que j'ai été donner du lait. Et je l'ai couchée. Elle s'est endormie. Fait que moi, je pense que les fois qu'elle s'est réveillée cette nuit à cause de. L'alarme, ben peut-être que c'est pour ça que fatiguée, là, je sais pas, parce que pourtant ça faisait pas longtemps qu'on était debout, là. Mais en tout cas, elle est couchée, fait qu'elle est fatiguée. Donc, je vais commencer à boire mon café qui a déjà commencé à être frais et à manger, que c'est frais aussi, mais bon, c'est pas grave. Et je vais écouter comme un vlog, là, pendant ce temps-là. Puis après, j'aimerais vraiment clencher d'éditer mes vlogs parce que j'ai comme. Je pense que ce vlog a été. En fait, depuis la semaine passée, genre. Tous les vlogs de la semaine passée. Fait que faut vraiment que je fasse ça. Fait que voilà mon déjeuner. Fait que mon café. J'en essaie un autre café liégeois. Je pense que c'est le Magnifico. Quelque chose comme ça. Mon muffin anglais qui est rendu frette. De la compote puis des fraises. Bon, je viens de manger. Puis je vous avais pas dit ça. Hier, Jaden, il me dit. Maman, on va à la piscine. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas été. Parce que dans le fond, l'été, on les inscrit pas là, au cours de piscine. On fait comme pas mal d'affaires l'été. Puis on se baigne de toute façon. Mais là, on les avait pas inscrits à la première session d'automne, qui est comme 7 semaines. Parce que les deux, ça tombait à la même heure. Puis tu sais, nous, il faut être dans l'eau avec eux. Puis là, comme on a Amanda, ben ça marchait pas. Fait qu'on s'était dit, bon, on pourrait les inscrire un samedi, un dimanche, mais c'est quand même poche, là, tu sais, ça nous prend 2 journées. Mais Anthony, il disait que ça ne dérangeait pas d'aller avec les deux, comme, tu sais, une activité seule avec chacun, dans le fond. Mais là, l'inscription, elle va se faire, je pense, c'est cette semaine ou la semaine prochaine. Début de la semaine prochaine.
pour la deuxième session d'automne. Fait qu'on va les inscrire au cours de piscine parce que ça leur manque. Fait que c'est ça. Puis en même temps, on voulait pas qu'Anthony soit épuisé, tu sais, avec ses stages. Mais là, il finit genre déjà son deuxième stage cette semaine, je pense. Fait que, ou la semaine prochaine. En tout cas, il reste un dernier stage, puis c'est comme le stage le plus relax, genre. Les petits cheveux! Fait que c'est ça. Fait qu'on va les inscrire, les réinscrire au cours de dernière petite... moment de moi qui parle devant la caméra. Je trouve que je parle vraiment beaucoup devant la caméra dans mes vlogs, puis ben je sais que c'est pas, mais il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui aiment plus voir faire des choses, tu sais. Moi, j'aime ça voir les deux quand j'écoute des vlogs là. Mais je voulais vraiment vous dire ça parce en tout cas, j'ai pensé à ça. Je suis vraiment contente parce que tu sais, pour ma chaîne principale, j'ai eu plein d'idées que j'ai comme préparé tout mon mois d'octobre, de pratiquement tout novembre, vraiment pour avoir comme une vidéo en ligne par semaine. Puis c'était des idées super le fun que j'ai hâte de filmer, même pour novembre. Tu sais, je dis novembre parce que dans le fond, j'ai des idées qui sont plus en lien avec le temps des fêtes. Fait que moi, le temps des fêtes, ça commence en novembre, ok? Fait qu'ils vont en avoir en novembre. C'est ça. Fait que j'ai full d'idées de vidéos, je suis vraiment contente. La seule comme... que je vais filmer demain, qui a comme aucun rapport avec comme ce que j'avais planifié, c'est la vidéo d'achat, mais c'est pas sérieux, c'est trop long pour montrer dans un vlog, genre j'ai trop de choses. Fait que c'est ça. Puis d'ailleurs, l'année passée, on m'en avait demandé, mais je pense j'en avais pas fait l'année passée, parce que j'en ai fait plein d'années avant. C'est des vidéos de snacks d'Halloween, que j'en ai fait peut-être... 5 là. Fait que tu sais, j'en ai fait là des snacks d'Halloween parce que dans chaque vidéo, c'est vraiment fatigant ça. Les maudits petits cheveux. Tu sais, dans chaque vidéo, il y en avait comme 3-4 choses là qu'on pouvait faire. Mais j'ai pensé à une autre façon d'amener ça cette année. Puis je pense que je n'ai planifié deux, si je me trompe pas. Ouais, deux vidéos différentes en lien avec un repas Halloween. Fait que j'ai trop hâte de filmer ça, sérieux, là. Puis, faut que je check mon calendrier dans ma chambre, là, mais il faut que je le check parce que faut que je filme ça bientôt, si je veux que ça soit à temps, là. T'sais, je veux pas vous mettre ça en ligne le 31 octobre, là. Je veux que vous ayez ça avant pour si vous faites des parties d'Halloween. D'ailleurs, on veut faire un party d'Halloween! Faudrait que je fasse des petites invitations, genre, pour envoyer au monde. Ouais. Il est 11h32. Amanda s'est réveillée, ça fait comme une demi-heure. Elle m'a laissé me friser les cheveux et me maquiller. Je me suis maquillée dans la chambre en haut. Puis là, j'ai déjà envie de m'attacher les cheveux. Genre, c'est l'histoire de ma vie sérieuse, là. Genre, je me frise les cheveux. Je me suis mis des petites barrettes. Je me suis fait demander, je les ai pris où? Je les ai pris sur Amazon. C'est Dusty Rose qui en avait montré à un moment donné sur Instagram. C'est un paquet comme, je pense, de 12. Puis j'avais été sur son site, elle avait mis le lien, comme le lien Amazon. Puis je les ai commandés. Fait que c'est ça. Parce que vous savez que j'haïs avoir les cheveux d'en face. Je suis tout le temps en train de jouer avec mes cheveux. Fait qu'avec ça, ben... j'ai pas les cheveux en face. Mais là, c'est ça. J'ai quand même mis mon petit chou comme ça ici. J'ai sûrement fait pour m'attacher les cheveux. Mais bon, je vais rester de même. J'ai mis ma robe rose maternité comme la beige, là. Moi, j'ai dans le médium. Puis, c'est la première fois que je la mets. Je pense jamais la mettre parce que, dans le fond, faut jamais être plus à la maison parce que, dans le fond, j'allaite. Fait que celle-là, c'est pas une robe d'allaitement. Puis le col, j'ai pas essayé de le tirer, mais c'est pas le même matériel. Non, je pense pas que c'était. Que, mettons, les robes intrigues, je tire comme pour sortir mon sein, mais avec elle, je pense pas que je peux le faire, puis j'aurais trop peur, genre, parce que c'est pas le même tissu. Fait qu'il faut que je lève ma robe pour allaiter. Mais quand je suis à la maison, c'est pas grave, là. Fait que c'est pour ça. J'avais pas eu l'occasion de la mettre encore. Souvent aussi, pas mal habillée en mou, mais les robes rose maternité, c'est... autant genre de confort. Fait que j'ai édité un vlog, j'ai répondu à tous les commentaires et c'est ça. Fait que là, je vais
ramasser comme la cuisine. On a une pique, ça n'a pas de sens. Puis ramasser un petit peu le... J'ai ramassé un peu le salon, mais... Il est rendu 1h11. Anthony a fini son examen. Mm-hmm. Et il avait envie de sushi. Puis là, je viens d'éditer mon vlog. Sushi time. Ouais, la semaine passée, tu sais que je disais, faut pas aller au resto, on va aller au resto une fois par mois. Puis là, on est au sushi. J'ai eu le temps d'éditer un deuxième vlog. Hey, 28 minutes sur le... Ça, c'est notre défaut, la restauration. Ouais, je sais. Genre, mais... on n'a pas beaucoup de... On n'a pas de vis financiers, on va pas d'alcool, on fume pas, on prend pas de gratteux, t'es pas d'affaire de même. Mais on aime beaucoup le restaurant. Ouais. Mais là, c'est ça. On va aller manger des sushis. On va en profiter, Anthony a fini tôt. Fait que c'est ça. C'est chaque personne a une dépense que s'il ferait pas, il y aurait beaucoup plus d'argent, ben nous, c'est le restaurant. C'est le resto. C'est ça. Mais au moins, j'ai eu le temps d'éditer deux vlogs. Fait que on s'en va dîner, puis je pense qu'Amanda va faire dodo. On a saumon épicé. Non, saumon tempura. Deux. Ça va être tempura. Merci. Puis, non, ça va être tellement tempura. Bon, Manda va faire dodo. Oh! Puis, ça, on prend tout le temps. Moi, j'ai mangé le California aussi. Ah oui, il mange le sien. Puis, nos saumons, c'est tellement bon. Je m'en vais au Home Sense. On est revenu. J'ai été au Home Sense parce que je voulais la guirlande que Marie-Hélène montrait dans son vlog. Puis il l'avait pas. J'étais bien déçue. Je voulais l'accrocher, genre là. Mais en tout cas, il l'avait pas. J'ai reçu des beaux colis. J'ai reçu un colis Post-Canada que faut que j'aille chercher demain. Je sais pas c'est quoi. Et j'ai reçu deux autres colis. J'ai reçu de Jululu. Vous vous rappelez, là, j'avais posté une photo avec les meilleures compagnies pour les petites barrettes pour les cheveux. Comme. Cheveux fins là, comme Amanda. Fait que j'ai eu ceux de Mademoiselle Léonie qu'elle porte. Et Julie Lu m'a envoyé ceux-là. En fait, c'est moi qui les ai choisis. Je les trouvais tellement belles. Puis ça dit c'est pour bébé sans cheveux. Fait que vraiment comme si on peut de chevelure là. J'ai pris celui-là. Il est tellement beau là. Il y a un genre de blanc cassé. Un avec des petites fleurs. Puis un comme beige. Ça va tellement fitter avec tout. Et aussi la couleur rouille, comme ça, dans les ceux qui sont celles là. C'est trop beau, ça va faire parfait pour l'automne. Et aussi, elle m'a dit de choisir deux ami-zip. Fait que j'ai pris les mêmes, les petits renards pour les gars. Ils ont ça après leur manteau d'automne en ce moment. Puis, il aime full ça, là. Ma mère qui dit manger, puis genre, il croque. fait que, mais ça va être après leur manteau d'hiver. Fait que c'est parfait parce que ça les aide à monter leur manteau. Et j'ai reçu ce trop beau colis des créations Abibel. Elle m'a créé un code promo, c'est ça qu'elle vient de m'écrire, Karine10. Donc, elle m'a envoyé. Oh non! Poussière, mon contour était pas propre. Le jogging, comme ça. Puis, je l'ai dans le médium. Fait que c'est comme ça ici. Vous les avez sûrement vu passer sur Internet, là, sur Instagram. Ils sont tellement beaux. Je les ai déjà essayés. Ils sont hyper confortables. Puis, tu sais, t'as la bande ici, comme, qui se replie, là. Il y a les petits détails, regardez, aux poches. Attendez, on va-tu? Ouais, je sais pas si ça, on le voit, là. Ouais, il y a comme une sorte de lignée. C'est full beau, je l'aime vraiment. Il est trop confortable. C'est comme la. Je pense que c'est vieux mauve, le nom de la couleur. Puis moi, c'est important que ça soit comme ça dans le bas. Je trouve ça plus confortable. Fait que je suis vraiment contente. Elle m'a envoyé pour matcher celui à Amanda. J'ai trop hâte de prendre une photo de nous avec ça. Comme ça ici. Et il y a les pattes. Mais c'est vraiment comme pareil, là. Comme ça se replie. Tout ça, c'est le 12 mois qu'elle m'a envoyé. Fait que c'est ça avec les petites pattes, ça va être tellement parfait. Puis c'est le fun avec les pattes, j'en ai pas. Non, je n'ai pas dans la grandeur qu'elle a en ce moment avec les petites pattes. Je trouve ça tellement pratique faire des bas, ça s'enlève tout le temps. Alors voilà, merci. Elle se promène partout, elle est tellement cute.
Tu savais que je parlais de toi, petit poupoune. Ah. Oui, t'es belle. On est maintenant 4h30 et on est en route vers chercher les garçons. Mais on n'avait plus de gaz dans l'auto. Fait que là, mes cheveux commencent à m'énerver. Fait que je pense que je vais les attacher. En même temps, je suis sûre qu'il fait dodo. Là, j'ai donné du lait, elle s'endormait, mais il fallait que je la mette dans sa coquille. Fait qu'elle s'est réveillée. J'ai répondu à plein de courriels. J'ai édité un autre vlog, puis sérieux, mes vlogs étaient tellement longs. Là, c'est que genre 3 vlogs de 30 minutes que j'ai édité aujourd'hui. Fait que j'étais comme rendue un petit peu tannée. Il va me rester à préparer la mise en ligne tantôt. Mais au moins, je l'ai fait 3. Fait que demain, genre, il va m'en rester, je pense, 3 à éditer. Mais c'est ça, au moins ça c'est fait. Puis là, il fait hyper beau aujourd'hui. Puis les prochains jours, il annonce de la pluie demain. Il annonce pas très beau. Donc, j'ai demandé à mon père s'il voulait aller avec les gars dehors après le souper. Fait que mon père a dit oui. Puis mon père, hier, c'était sa dernière journée de travail. En fait, il était comme... Il avait pris semi sa retraite. Il dépannait genre le samedi, dimanche. Puis, en fin de compte, là, il a pris sa retraite. Fait que c'est sa dernière journée de travail. Donc voilà, mon père va venir jouer avec les enfants après le souper. Je vais faire la course spaghetti au smoke meat. Au lieu de faire du spaghetti smoke meat, ça va être ça. Bonne nuit tout le monde, à demain.